Bonjour, je m'appelle Sylvie Huppé et je donne des cours Apple en iPad et iPhone. Cette semaine, on voit la localisation. Ça sert à quoi la localisation? Dans le fond, si vous avez des jeunes enfants ou vos grands-parents, vous pouvez activer la localisation sur leur iPhone. Comme ça, vous allez savoir à peu près où ils sont quand vous voulez le savoir. Aussi, ça l'aide si jamais vous faites voler votre appareil. Donc, si vous avez un compte iCloud, vous pouvez aller voir dans votre compte et il va vous indiquer où est votre machine. Ça peut être pratique. Pour faire l'activation dans votre iPad ou iPhone, allez sur l'icône réglage. Ensuite, descendre ici jusqu'à confidentialité. Service de localisation doit être à oui. Donc, on clique dessus. Service de localisation activé, donc en vert. Et ici, partager ma position. Donc, localiser mon iPad, oui, ou mon iPhone. Ici, il est inscrit iPhone de Sylvie. Et partager ma position doit être activé. C'est la première étape pour activer la localisation. La deuxième étape est de partager votre localisation avec les personnes que vous désirez. Donc, trouvez l'icône localiser. Une fois que l'application est ouverte, le petit point bleu indique où vous demeurez. Donc, vous pouvez commencer à partager la position. Dans le haut, il y a le petit A. Donc, simplement écrire le numéro de téléphone ou le contact que vous désirez partager votre position. Attention, cette personne, évidemment, doit avoir un compte chez Apple. Voilà, maintenant vous savez comment activer la localisation sur votre appareil. À vous de choisir si vous voulez l'activer ou pas. Bonne journée!